it becomes illustrative. You know, you illustrate what's happening. But an honest film, well, what happens is that the actors try to get real into this. You know, they interpret it, is what I mean. They interpret it and they give you what they feel. That's what the actors feel, based on the information. So they're not just acting out whatever they think it should be, which is, it can leer like that, a movie. But if the actors have really, really gone into their own heart, you know, own heart and minds, they would interpret it, and that becomes real. It's a little bit, sorry. Ce que dit Guélé, c'est que si un film n'est pas honnête, n'est pas sincère, il illustre. Si un film est honnête, à ce moment-là, les acteurs ne jouent pas. Ils vous redonnent ce qu'ils ressentent. J'ai fait plus court, mais je crois que c'est à peu près dans le sujet aujourd'hui. Donc en fait, c'est aussi une façon de vous faire voir et ressentir et découvrir ce qui s'est vraiment passé. This is what happened in your film, I think. I was going to say that this, for me, is also the power of the poetry. It's not because it's poetry, you know, that we're all supposed to admire it because it's poetry. That's not what it is at all. This is a voice. This is like the photograph, if you like. You're not looking at the photograph of the real face. This is the voice of somebody who's experienced this thing. That's the power of it. Et donc, pour lui, c'est aussi le pouvoir, c'est aussi le rôle de la poésie, c'est aussi le pouvoir de la poésie. La poésie, bon, c'est pas parce que c'est de la poésie qu'on a dit que c'est beau, etc. Mais la poésie, c'est la voix d'un homme qui a vécu ça, qui vous le retransmet, qui vous donne l'occasion de le revivre. It's true what you say about finding the truth of an experience. However, a film is about somebody's experience or the experience of a few characters, but there are always stories that are not being told. Oui, c'est vrai ce que vous dites que. Which ones are they? Dis la vérité, mais un film ou un roman, ça raconte toujours la vie d'une personne ou de quelques personnes seulement. Il reste toujours la vie des autres qui ne sont pas racontées, ceux dont on ne parle pas dans un sens, qui sont là quand même. Yeah, so it's interesting what, you know, you filmmakers and other filmmakers, which stories are chosen to be told, and these stories become a kind of larger truth. They become a truth that's about more than just the particular characters of that story. Les histoires que vous racontez deviennent plus grandes que la vie dans un sens. Hein? And one thing I'm thinking of, by the way, with the Australian experience, is that you don't see in the film Gallipoli any fighters of Aboriginal descent, but they did mostly come later. But they were also there. Well, you know, that's a great story to tell. You should write that story. Well, somebody should write that story. Yes. Well, they're doing it now. There's currently a theatre production in Australia is exactly about that. It's called Black Diggers. It's about the Aboriginal soldiers in World War I. Right. Well, we had Indian soldiers. We had West Indian soldiers. I mean, there's many, so many. So. Il y a un truc qu'on ne sait pas, c'est que bon, on sait très bien qu'il y avait les tireurs sénégalais, mais il y avait aussi des soldats vietnamiens. La première guerre. En 14-18, il y avait des soldats vietnamiens. I think I've had a great idea, though. I want to make a First World War film about a man who is responsible for cleaning a cannon, and he's a perfectionist. Je reviens sur ce qu'il disait. Je reviens sur ce qu'il disait tout à l'heure. Il a envie de faire un film sur la Première Guerre mondiale qui raconterait l'histoire d'un homme chargé de nettoyer un canon et qui est un perfectionniste. Et pour essayer de résumer brièvement ce qu'il l'échange qui était entre eux, Inès disait que, bon, dans le cas d'Australie, par exemple, on n'a jamais montré d'aborigènes australiens
dans les films, dans les tranchées, ou dans la, alors qu'ils y étaient. Et donc, Kélis me dit, il faut l'écrire cette histoire, écrivez-la. I just want to tell you something else. Sue reminded me, because we were doing the research into the archives. One of the feature films made during the wartime actually had an Aboriginal main character, played by an Aboriginal actor. On a découvert deux autres films, donc ça fait trois films qui sont dans les archives, qui restent de la Première Guerre, fait pendant ce temps, long métrage, le film que j'ai montré, et puis deux autres. Et le sujet de ces deux autres, c'est l'espionnage. Il y a des cercles d'espions en Australie, donc c'est pour faire peur à la population australienne. Et dans un de ces films, le détective, l'héros du film, c'est un personnage aborigène qui arrive à écraser les méchants allemands et tout ça. His name was Snowy. Oui. Et de quelle date ce film date de 1918 et l'autre de 1917. Voilà. Donc, oui, reste des vestiges. Des questions? Oui. Si je peux me permettre une réflexion par rapport à la discussion qui vient d'avoir lieu, je pense que les deux sources ne sont pas du tout contradictoires, elles sont même nécessaires, à la fois les documents d'histoire, indispensables pour savoir ce qui s'est passé réellement, qu'ils soient filmés ou écrits, mais aussi les films, parce que les films nous font poser d'autres questions. Je pense au film Régénération, par exemple, qui nous pose cette question, faut-il soigner des hommes pour les renvoyer à la mort ? Qui pose la question de l'exaltation devant le combat. Bon, ça, ce sont des questions presque d'ordre philosophique et qui ont un autre rôle que le document d'histoire. Ma question, je voulais revenir quand même aux sources documentaires. On sait tous qu'il y a eu un cinéma aux armées, c'est-à-dire qu'on a fait tourner, effectivement, après les batailles, on faisait tourner des soldats, en France en tout cas, hein. Il existait un cinéma aux armées très tôt, et on reconstituait après un assaut les batailles, et on se doute bien qu'au milieu d'un assaut, ça paraît totalement impossible de filmer quoi que ce soit. Mais ma question, c'est en quoi le déroulé même de la guerre a eu un impact là-dessus. Est-ce que l'hécatombe terrible de l'été 1914, où sur certaines journées on a eu 27 000 morts sur un jour, a tellement, stupéfié les états-majors qu'ils ont tout de suite mis en place, et c'était la première fois dans l'histoire, un système de censure absolue. Censure des lettres, censure des journalistes, censure de ce qui était filmé. Il fallait contrôler parce que c'était impossible de montrer ça. Et on voit bien qu'à partir du moment où, après Verdun, Pétain est obligé de relâcher un petit peu, parce qu'il y a des mutineries, parce que les soldats commencent à refuser de monter au combat, Pétain relâche un petit peu, donne plus de permissions, les soldats rentrent dans les familles, les soldats parlent aussi, et on voit l'opinion publique basculer en 1917. C'est-à-dire que le contrôle, la censure, il change. Donc, est-ce que la manière dont s'est déroulée la guerre, les grandes batailles, celles de 14, celles de Verdun, ont eu un impact sur la façon dont on a modifié ou pas le rendu de cette guerre dans l'opinion publique ? La question est envoyée à l'historien. Je voudrais aller un petit peu dans le même sens, en précisant, et je vais laisser la parole aux intervenants, compléter un petit peu cette question sur, justement, le côté un peu soi-disant, l'information et les documents filmés sur place ont le sceau de l'authentique, mais dans la mesure où ils ne sont que très partiels et très censurés, c'est le récit des soldats, et donc qui va faire basculer l'opinion, qui va faire naître une littérature, puis des scénarios de films, puis des films qui vont écrire une autre histoire, une autre lecture de la guerre, et donc ça c'est complémentaire de l'autre, et il n'y a pas de raison de le mettre davantage en doute sous prétexte que c'est subjectif. Non.
anecdote peut-être par rapport à ça, on peut bien que Jean-Luc Godard disait que la nouvelle vague est née à cause des techniciens de l'armée allemande, que Larry Flex, qui a inventé pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis peut-être la nouvelle vague, parce qu'avant ça, on pouvait faire des caméras là-bas. Oui, la caméra Ariflex, on vous précise, c'est une caméra très portable, très légère, qui a été utilisée en 16 mm, mais aussi en 35, au début des années, fin des années 50. Et qui avait été perfectionnée. Oui. Bon. Autre question, autre intervention, autre commentaire de votre part? Les étudiants toulousains, là. Je voulais savoir si, pour la 17, il y avait eu, comme pour la guerre de 39-45, une sorte de réquisition des photographes ou des gens qui filmaient, qui étaient sur place. Parce que moi, je vous demande ça parce que mon père, qui était un photographe dans une zone occupée, et comme il était le seul photographe dans une ère assez tendue, les Allemands l'ont obligé, tout le monde l'a obligé, à aller faire des films, à aller faire des documents, qui après sont allés dans les archives, mais les Allemands l'ont gardé beaucoup. On l'appelait pour, parce que quand on fusillait, par exemple, les partisans. Deuxième guerre mondiale. Oui, voilà, je dis, est-ce que pour la deuxième, il ne s'est pas passé quelque chose de semblable? Je ne sais pas, on s'est positionné, on ne pouvait pas y aller, mais on l'a mené de force. Je pense que ça a été un peu plus sophistiqué, disons, dans l'approche de la propagande au niveau de la Deuxième Guerre mondiale que dans la Première. D'ailleurs, ce qui frappe aussi, dans les, si l'on compare, tout à l'heure, Georges faisait allusion aux images filmées en fiction de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale, et la différenciation qu'on pouvait constater, mais on peut aussi trouver... ce phénomène sur les images tournées à ce moment-là, sur les images d'actualité. One thing, I don't think that you had this split between what people thought at home and what the state of mind of the soldiers at the front. Il pense qu'il y avait une dichotomie, enfin. Oui, une dichotomie entre ce que les gens pensaient à la maison, ce qu'ils croyaient, et ce que l'état d'esprit des soldats au front. At home, they whipped up the patriotism, the positivism, and on the front, they had a different experience. They could not communicate to the people at home. À l'arrière, on montait, on faisait l'apologie du patriotisme, la propagande portée là-dessus. Et au front, ils avaient une toute autre expérience, donc du coup, ils ne pouvaient pas communiquer avec les gens à l'arrière. Oui, so I don't think that the authorities, I don't think the government would want to see some of the things which happened. For example, the British army did not believe, they still thought about cavalry charges. They did not believe the machine guns would be effective. And it wasn't until thousands were mowed down, were killed in an hour, that they changed their mind. Les mentalités difficiles à changer parce que, par exemple, du côté britannique, on croyait encore à la cavalerie et les charges de cavalerie, et ils ne pensaient pas que les mitrailleuses seraient efficaces contre une charge de cavalerie. Il a fallu la mort de milliers de soldats et de cavaliers pour qu'ils commencent à changer d'avis sur la question. Nor would they want to see that the officers went ahead and the men went in a straight line, and behind them came the sergeants holding pistols. If anybody wavered, if anybody hesitated or turned round, they shot them. They wouldn't want the public to see that. Et donc les autorités ne voulaient pas non plus que la réalité de ce qui se passait dans les attaques soit vue par les gens, parce que dans une attaque, il y avait l'officier devant, ensuite les hommes en ligne derrière, et derrière les hommes, il y avait des sergents avec revolver sorti, et si quelqu'un faisait mine de faire demi-tour ou de
il se faisait abattre sur le champ. Donc ça, les autorités militaires ne voulaient pas que le public le voie. Je crois que c'était le même avec l'armée française pendant les premières semaines de la guerre. J'ai l'avantage d'avoir lu un livre populaire par Max Hastings, Catastrophe. Et apparemment, pendant les premières semaines, l'armée française a marché avec l'orchestre et les batteries et tout ça, les mitrailleuses allemandes. Oui, s'agissant des problèmes de discipline, hein, bon, on vient d'en faire état, c'est effectivement dans l'armée française. Et d'un certain côté, on le comprend, c'était le territoire français qui était envahi. Hein? C'était d'abord, car en 1914, l'armée britannique, qui est sur le front de l'Ouest, avec l'armée française, l'armée britannique, qui est certes d'une très grande valeur, parce que ce sont à ce moment-là des soldats professionnels, mais c'est peu de choses. En 14, c'est 200-250 000 hommes. Ce n'est que progressivement, que par l'appel volontaire d'abord, ensuite par la conscription de 1916, que du côté britannique, on va bâtir une grande armée qui viendra aux côtés de l'armée française à soutenir le choc de l'armée allemande. Donc, je reviens au propos initial, hein, dans l'armée française particulièrement, la discipline a été féroce. C'est dans l'armée française qu'on a le plus fusillé. Hein? On a fusillé au total, sur toute la durée de la guerre, aujourd'hui il y a des études très précises qui ont été conduites là-dessus, on a fusillé à peu près 2000 hommes, hein, sur toute la durée de la guerre. 2000 hommes, y compris les désertions, les mutilations volontaires, etc. etc. Hein? Et s'agissant alors du refus d'obéissance, d'un certain nombre, même d'un nombre très important, hein, les deux tiers des bataillons, après le chemin des dames, après Craonne, en avril-mai 1917, la plus grande partie des bataillons, les deux tiers des bataillons de l'armée française, refusent, ce n'est pas qu'ils passent, hein, qu'ils refusent de défendre le pays, mais ils refusent de continuer à aller se faire tuer pour rien. Pour gagner 500 mètres. Hein, voilà ce qu'ils refusent. Et à ce moment-là, on y a fait référence tout à l'heure, à ce moment-là, devant l'ampleur du mouvement, les autorités françaises vont réagir de deux manières. D'abord, l'autorité, la sanction, il y aura 800 condamnations à mort, mais 50 seulement seront effectivement effectués. Ça, c'est la première réaction. Et puis la deuxième réaction, hein, va consister à limoger le général Nivelle, qui était responsable d'une sorte de fou, entre guillemets, hein, bon, qui a agi d'une manière complètement inconsidérée, a donc remplacé à la direction de l'armée française, le général Nivelle, par le général Pétain. Le général Pétain, dans l'action, oui, il ne faut pas rire, parce que finalement, Pétain, en 17, a eu raison, et par là, il s'est acquis une gloire auprès des anciens combattants, qu'il dilapidera honteusement pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 17, il a eu raison. Parce qu'il était partisan, lui, d'une stratégie défensive, hein, c'est-à-dire de renoncer à ces offensives continuelles et meurtrières qui avaient marqué l'histoire de la guerre. Hein, et donc, à partir de ce moment-là, l'armée française se contente d'attendre le choc ennemi en renforçant ses défenses et en limitant par conséquent les conséquences humaines négatives. Voilà.